Bonsoir, vous allez bien ? Ça va et vous ? Oui, très bien. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? On va parler d'un film qui est un thriller, précisément Escape Game. Exactement, c'est de quelle année ? 2019. Pour quel public ? 13 et plus. Donc c'est un thriller. Oui. C'est en recommandation sur la plateforme Amazon Prime. C'est ça. Donc c'est rare, attention, c'est pas du Netflix, c'est Amazon. Très bien. C'est réalisé par qui ? C'est réalisé par Adam Roubitel. Oui, est-il connu dans bien le métier ? Bien sûr, mais évidemment, il a fait les Insidious, il a fait Deborah Logan, le cas, il a fait Paranormal Activity 5, et je suppose d'autres. C'est quelqu'un qui est connu, il a du métier dans le domaine de... Et qui est très bon, surtout. D'accord, très bien. Les acteurs, s'il te plaît. Les acteurs, alors on a Taylor Russell, oui. Qui a fait Bones and All, qui a fait également Waves. Oui, très bien. On a Logan Miller. Oui. Qui me dit très quelque chose. Oui. Il a fait Prey. Oui. Il a fait le manuel de survie à l'apocalypse. Lui aussi, il est très tourné vers les films thriller, horreur, etc. Et enfin, on a Jay Ellis, qui lui a fait Top Gun. Oui, le 2, hein, Maverick, voilà. pas le premier. Oui. Et Insecure. Très bien. Alors, le pitch, vas-y, nous t'écoutons, s'il te plaît. Le pitch, alors c'est simple. Oui. Ça va être 6 personnes, je crois, qui vont recevoir une boîte, une mystérieuse boîte qui va être assez complexe à ouvrir. Et à l'intérieur, il va y avoir une invitation à un escape game. À la clé, il y a 10 000 dollars. Très bien. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer ? Ces 6 personnes sont très variées, déjà pour commencer. Oui. Nous en avons un qui a besoin d'argent. Nous avons un autre qui est assez haut placé. Oui. Hein, il ne va pas pour l'argent, lui il va parce que c'est un client qu'il a invité. Bon bref, voilà. On ne va pas trop s'étaler, mais c'est pour expliquer que c'est très varié. Est-ce que tu peux d'ailleurs expliquer ce que c'est un escape game? Parce que ça, ils ne sont pas au courant. Ah oui, un escape game, c'est un jeu grandeur nature réel, enfermé dans une pièce, voire 4 ou 5 pièces. Oui. À chaque fois, il faut résoudre des énigmes afin de pouvoir s'échapper. De la pièce. De la pièce et du jeu en tout. Ça va, les histoires varient, on peut trouver des escape games d'horreur, des escape games plutôt intellectuels à la mode Sherlock, plusieurs escape même pour les enfants, maintenant ils en font, des escape games version casino, version guerre, version... Oui. Et normalement il y a une heure de temps, ça ne dépasse pas les une heure, pour sortir de la pièce. Bon, alors ça c'est dans la réalité, on ne va pas se le cacher, c'est pas du spoil, que dans ce film-là, il vaut mieux vraiment s'en sortir des pièces. Oui. Parce que sinon... On va apprendre assez vite que l'escape game va être réel. Oui. Et qu'ils peuvent y laisser leur peau. Donc... Ton ressenti, s'il te plaît. Ouais. Ah, attends, excuse-moi. On précise que des films dans ce genre, de cet acabit qui prennent ce thème-là, il y en a eu pas mal. Et à chaque fois, c'était des échecs. C'était pas vraiment intéressant. Non. Dans la moyenne. Enfin, moi, j'en connais d'autres, genre Escape Room. Ouais. Il y en a un autre aussi, je ne sais plus le titre, j'avais aimé. Non, mais dans la moyenne, ça, à chaque fois, c'est pas très bon. Ouais. Moi, je m'en souviens d'un avec des clowns. C'était vraiment pitoyable. Dans un cirque, tu parles ? Un escape game, il y avait un clown qui les pourchassait tout le temps. Bon, bref. Ouais, dans un espèce de cirque, tu vois, c'est quoi ? Ouais, l'ambiance était bonne quand même. Ton ressenti, s'il te plaît. Ouais, moi, j'ai aimé. Ouais, j'adore. C'est un très bon film. Il est bien tourné. Il y a des beaux effets. Le jeu d'acteur est très bon. L'histoire en elle-même. Elle est top. Et le fait que les personnes soient aussi variées, j'aime bien. D'accord. Je ne vais pas reprendre ce que tu vas dire, mais je vais te rejoindre tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est un plus pour ceux qui ont fait des escape games ou qui aiment en faire. Voilà. Moi, j'en ai beaucoup fait. Ah, c'est évident que ce film cible en priorité ceux les qui joueurs. Font des escape games, mais pas que. Si vous n'en avez pas fait, vous comprenez si très vite vous le êtes système. Un peu, voilà. Ou si vous êtes un peu claustro. Vous avez cette sensation de malaise, bah, dans le film, vous allez la voir. Donc ça, c'est bien. Ça t'offre des sensations. Et même quand tu fais vraiment un escape game, dans le coin de ta tête, tu te dis forcément que c'est un jeu. Mais ton corps, il est obligé de prendre part au truc. Surtout si tu fais des escapes d'horreur, parce qu'il y en a qui s'envoient vraiment. Et au final, tu as une sensation que tu ne trouveras jamais ailleurs, on espère. Donc ça, c'est top. Et dans le film, ça te le rappelle. C'est vraiment très bien fait. Moi, j'ai adoré du début à la fin. Même la fin, génial. Et toi, qu'en as-tu pensé ? Alors, petite précision, on est plus du côté d'un cube. Cube, très bon film. Si vous ne connaissez pas Cube, il faut y aller. Qui ne connaît pas Cube ? C'est génial. C'est plus près d'un cube que d'un saut. Oui. Parce que saut, c'était vraiment dans le dur, quoi. C'était vraiment de l'horreur et tout ça. Là, on n'est pas dans l'horreur. Saut, ça prône aussi la vérité. Ouais, il y avait une morale derrière. Ouais.
Ici, on est sur des énigmes, des puzzles implacables, mais on ne voit pas vraiment les entrailles, le sang, les trucs abjects comme ça. Non, non, c'est du 13+, on se tient, Ouais, hein, c'est on se tient assez bien. soft, on va dire. Les visuels sont très beaux, très belle esthétique, notamment la salle de la salle, le De bar billard? à l'envers, Ouais. très très mode. Que moi j'ai bien aimé, voilà. Ah ouais, à J'ai chaque salle, t'as un nouveau. un nouveau thème. Oui, c'est ça, en fait. Moi j'ai bien aimé. À savoir que la fin est très ouverte, c'est-à-dire que les motivations derrière tout ça ne sont pas explicitées. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un Escape Game 2 qui est sorti en 2021 On savait pas. que nous n'avons pas vu, mais vous inquiétez pas, on est sur le On est coup. super content du coup. Oui, ça a été une bonne surprise, ça. Voilà, donc on va voir ça très prochainement et peut-être qu'on saura la finalité de tout ça. Oui. Parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que tout ça a été planifié, arrangé. Il n'y a pas de. Et puis même les 6, c'est pas si guignol pris comme ça dans la nature, évidemment, il y a quelque chose Ouais, il y a derrière. quelques têtes. Voilà. Donc un très bon. En plus, c'est dynamique. Oui, c'est ça. Hein? On s'ennuie Et jamais. c'est ça. Et ça rappelle quand même assez la réalité où l'humain, une fois que il commence à être dans la cata, Ah bah bah il oui. pense à lui et il s'écoute plus. Sauf que le but d'un escape, et tout le monde le répète encore et toujours, les game masters du moins, il faut parler. Et même dans le film, là, tu vois que c'est bien fait parce qu'ils flippent, ils parlent pas, Ouais. ils essayent de faire leur truc tout Faut seul, de mais la c'est pas comme ça que cohésion, ça faut de la marche. cohésion, mais Alors en plus, quand tu te connais, c'est compliqué, oui. mais quand tu te connais pas. Oui. Et en plus, à chaque pièce représente la phobie d'un des. Bah, j'en dis trop. Non, Ah. non. Bon, alors ça veut dire que D'une des personnes. il y en a un à chaque fois, il va péter un câble, mais c'est vert. Ouais, non, Ouais, mais c'est vrai. très drôle. Bon, on conseille. Oui, Très on bien. conseille, évidemment. Soyez pas trop sensible. Il y a beaucoup de jeux de lumière, notamment la dernière salle, Oui. où il faut vraiment pas être sensible. Oui. Ça peut faire tourner la tête. On précise que c'est sur Prime Vidéo, mais attention, c'est pas du de la VOD, hein, c'est gratuit. C'est C'est ça en qui est bien. recommandation, c'est Mais gratuit, on peut oui. y aller. Et le 2 aussi, Prime Vidéo, gratuit. Voilà. Donc faut doublement y aller. Exactement, je te rejoins. Merci Merci à vous, et hein. à bientôt À pour bientôt. Escape Game 2.